Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Golden Axe Beast Rider, sorti quand même il y a quelques temps. J'ai plus la date en tête, je n'ai plus la date en tête du tout. Je regardais juste sur la boîte si j'avais la date, mais il est sorti un petit moment, qui a été fait par Sega. Et bon, il a été plus ou moins détesté. J'ai bien aimé, bon après c'est vrai que voilà, il y a mieux. Pourquoi je peux... Ah bah d'accord. On a ma partie a été supprimée. Ok. Je vais vous montrer. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. On va faire sans. Bon. Vous avez plusieurs choses, vous avez les extras pour voir les cinématiques. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est que j'ai accès aux cinématiques. Enfin bref. Vous avez accès aux cinématiques, les paramètres du jeu pour modifier la luminosité, etc. Vous avez également le défi de Tyrese, où qu'en fait on va pouvoir se battre dans les arènes qu'on aura fait durant le jeu. Et le mode défi qui, par contre, reprend les niveaux, pas les arènes. Vous allez devoir le finir le plus vite, j'imagine. J'ai pas vraiment fait ça. Nouvelle partie, en fait, je comprends pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, en fait, ça fait ça. Au pire, c'est pas trop mal. On va se mettre en normal et puis je vais vous montrer un peu du gameplay dessus. Même c'est dommage parce que j'aurais pas vraiment tout, mais enfin bon. Donc, Golden Axe Beast Rider a pas vraiment un scénario... top. Personnellement, j'ai pas vraiment accroché au scénario, c'est plutôt le gameplay qui m'a plu. Ce qui fait surtout le charme du jeu, c'est en fait de pouvoir monter certaines montures, justement, certaines bêtes. Alors, il y en a plusieurs, il y a les licans, il y a plusieurs. Ça peut être des petits monstres comme des gros monstres. C'est vraiment de là vient le nom, et sans ça, voilà, c'était vraiment pas top. Donc, vous voyez qu'on contrôle. Merde, je sais même plus son nom. Je sais plus si c'est Trish ou Tyrese. Je crois que c'est Tyrese normalement. Oui, c'est Tyrese Flair. Donc, on va pouvoir tuer des monstres avec des créatures. C'est un jeu plutôt sympa que je vous conseille vraiment à bas prix. Mais c'est sûr qu'après, ça ne peut ne pas vous plaire. Alors, ça reprend certains personnages du Golden Axe original. Là c'est pas le cas, d'ailleurs je sais même pas pourquoi ça a même pas fait la cinématique, mais enfin bref. Donc là on va pouvoir accéder au coup, comme ça vous allez pouvoir un peu voir ce que vaut le jeu. Ça va pas être une vidéo très longue, mais je voulais quand même vous montrer le jeu, parce que je le trouve assez sympa. Il a été beaucoup critiqué et je le trouve pas mauvais pour autant. Alors bon, il a un petit peu vieilli, certes, et encore graphiquement je trouve qu'il est pas moche. C'est dommage que j'ai pas la date de sortie, ce que je vous aurais bien montré. Le gameplay est assez basique, hein, comme vous pouvez voir, c'est du A et du X. Ou du A plus X pour faire des coups de pied comme ça, qui sont utiles contre certains ennemis. Les boss, alors faut savoir qu'il y a beaucoup de boss. Il y a des boss à chaque fin de niveau. Ils sont pas vraiment difficiles. Il y a les jumeaux, et après je sais plus vraiment c'était quoi. Même le boss final, franchement, il s'est fait en 2-2. J'ai même pas pris un seul coup, je crois. Le boss final est un peu décevant. Les boss, en fait, sont plus durs des fois que les ennemis. Je me suis déjà vu galérer contre des ennemis, en fait, des mages, etc. vers la fin du jeu. Mais les boss sont assez simples, en fait c'est plutôt des sortes d'énigmes, comme les jumeaux que vous allez devoir pousser contre des piliers pour que les braises des torches qui sont dessus des piliers tombent sur eux et leur fassent des dégâts. Mais ils sont pas vraiment compliqués à battre au final. Et à la fin on doit les battre justement les deux jumeaux ensemble. Et faut attendre que le dragon en fait enflamme les fameux brasiers pour pouvoir leur jeter dessus. Donc c'est pas vraiment des boss compliqués, et c'est un peu dommage parce que le jeu n'est pas si mauvais que ça. C'est un peu un God of War, le God of War du pauvre. Moi pour moi j'ai l'impression que ça soit ça. Je dirais pas un Heavenly Sword, parce qu'Heavenly Sword quand même était plutôt cool, plutôt très bien. Je dirais même à un niveau d'un God of War, même s'il y en a beaucoup qui le critiquent. J'avais adoré Heavenly Sword, avec un personnage vraiment attachant et une histoire plutôt cool. Donc c'était plutôt vraiment une, on va dire le niveau féminin de God of War, un peu à la manière masculine qu'est Nathan Drake à Lara Croft. C'est un peu dans le même genre. Là, on va dire que c'est plutôt l'enfant des deux, quoi. C'est plutôt comme si Heavenly Sword et God of War avaient fait un enfant, qu'ils assumaient pas trop la garde et qu'au final, voilà, on a ça. Le jeu est pas mauvais, comme je vous le dis, hein, mais c'est juste que, bon, s'ils auraient voulu faire un peu à la God of War, ça aurait pas été top. Et là, je suis en train de voir depuis tout à l'heure que c'est vrai qu'on est dans un didacticiel, qu'en fait, faut que j'esquive. Donc, on va faire esquiver, hop. Alors normalement les oranges c'est ça, alors ça peut être chiant, parce que là vous dites c'est simple, les oranges on les esquive avec LB, et les bleus avec RB c'est facile. Mais en fait faut savoir que là on a qu'un monstre, mais quand vous avez des vagues de monstres, vous les oubliez les touches. Vous oubliez franchement les touches que vous êtes en train de faire, hop là.
Et le bleu, bah, vous avez pu vous en rappeler, donc vous allez faire orange, vous allez faire bleu, parce que c'est pas du tout la même chose en fait. LB va vous permettre de faire des petits pas sur le côté et RB va permettre de pouvoir contrer l'attaque qu'on vous donne. Et sur le coup, alors ouais, c'est là où normalement il va falloir que je parade, voilà. Vous voyez là déjà j'ai perdu les touches. Hop, normalement. Voilà. On va essayer de faire ça proprement. Bon, c'est des touches assez basiques, mais il faut quand même les retenir. Hop. Là, ça a pas marché. Voilà. Il n'a pas été assez rapide tout à l'heure. Bon, lui, bien entendu, il est mort. Hop, purée. Vous voyez déjà, je peux me les touche. Et encore, quand vous avez plusieurs ennemis, quand vous avez 5-6 ennemis autour de vous, je vous dis, le bleu et l'orange, vous y faites plus gaffe, vous vous rappelez plus. Donc, du coup, bah, vous vous retrouvez à être entouré d'ennemis. Bon, je suis bon. Voilà. Alors, vous avez la possibilité de reprendre de la vie et de la mana. Donc là j'en ai pas, mais vous avez la possibilité d'en reprendre. À certains endroits c'est pas vraiment dur, c'est un peu la God of War comme je vous dis. Hein. Vous avez récupéré ça dans les coffres, etc. Donc c'est pas vraiment compliqué d'en retrouver. Le jeu est pas excessivement dur, je l'avais fait en expert, je crois. Enfin, pas le normal mais juste au-dessus. Et c'était pas vraiment compliqué. Ah oui c'est vrai, faut que je parle, j'ai complètement oublié. Il est pas vraiment compliqué, il est plutôt sympa, juste l'histoire, voilà, il est. Contrairement à God of War qui a une histoire avec les personnages mythologiques, etc. Qui est vraiment intéressante, pareil pour Vanilla Sword qui avait des personnages vraiment intéressants. Là pour le coup, je sais pas, il y a un dragon, on doit aller le voir, on le sauve, et puis on tue le méchant parce qu'il est méchant et qu'il veut ramener les méchants. Donc voilà, je sais c'est un très gros résumé mais en gros c'est ça et c'est un peu dommage parce que bon il y aurait moyen de faire un truc assez sympa, surtout que Golden Axe à la base est une licence plutôt cool et là je comprends pas avoir fait ça, raté ça, alors avoir donné l'appellation Beast Rider heureusement parce que là on se dit ah ouais vu qu'on monte des... ouais d'accord, ok Beast Rider d'accord, mais par contre le côté Golden Axe je comprends pas du tout, je comprends pas du tout, je crois qu'on voit le personnage de Golden Axe à un moment. On voit d'autres personnages aussi de l'histoire, mais franchement, c'est vite fait, quoi. Donc c'est vraiment pas top. Pour courir aussi, c'est... Ah oui, à chaque fin d'arène, vous avez le défi, et après, vous débloquez le cadeau des dieux, que là, j'ai même pas débloqué. Je sais même pas pourquoi. Donc pour courir, c'est... Les touches sont vraiment simples, j'ai même pas besoin de vous les expliquer. Je regarde juste... Ah ouais, si, il y avait ça aussi. Mais là, on les a pas encore, parce qu'on a pas de mana. La porte de vent, oui. Donc vous voyez ça c'est les caisses vertes bien entendu pour choper de la vie, les caisses bleues pour choper de la mana. Là j'ai pas de mana donc voilà, mais vous avez le feu, si je n'ai pas de conneries, que vous pouvez augmenter en fait en gagnant des cadeaux des dieux. Donc là c'est la fameuse premier Abrax qui va être en fait l'une des montures qu'on va pouvoir monter, donc qui est la monture du début. Vous avez presque une nouvelle monture à chaque niveau. Il faut savoir aussi, alors ces caisses là ne sont pas destructibles par moi, il faut que je monte sur lui. Pourquoi il ne veut pas? Ah voilà, CRT pour monter dessus. Voilà. X avec le feu, A pour le coup de feu. XA, je crois que c'est pour le. Voilà. Un truc qui ne sert jamais puisque vous n'allez jamais faire ça, je vous le jure. Alors pouvoir passer comme ça, hop, et on va pouvoir continuer. Donc ouais, vous débloquez une monture par niveau. Enfin, vous débloquez une monture. À chaque nouveau niveau, vous allez avoir une nouvelle monture qui va s'ajouter. Et que vous allez pouvoir retrouver sur... comment dire, sur des plateformes que vous allez voir. De toute façon, il y a généralement une petite cinématique. Donc ça, au début, c'est une petite monture comme ça. Et à la fin, vous allez avoir une monture qui se met en invisible. Une monture assez costaud. Une monture qui va plutôt être pour le combat, etc. Faut les garder en vie, mais généralement, je vais pas vous mentir, le jeu se fait très largement sans ça. Sauf certains endroits où il vous faut un monstre capable d'être invisible. Mais en bref, la monture, soit qu'elle va se faire déglinguer en moins de 2, parce qu'il faut savoir qu'au bout de 2-3 coups, vous faites éjecter de la monture. Donc vous devez remonter dessus, mais le temps de tout ça, bah, la monture a pris des coups. Donc généralement, la monture meurt. La meurt, pardon. Donc là justement, vous voyez le dragon qui en fait se fait enlever et c'est lui qu'on va pouvoir sauver à la fin du jeu. On sait même pas vraiment qui il est, on sait juste qu'il le prie quoi, c'est considéré comme une divinité, mais on sait même pas son histoire, on sait à peine son prénom, enfin voilà, on sait vraiment rien, là on voit qu'elle a ça, mais on sait même pas pourquoi. En fait rien n'est expliqué dans le jeu, on veut montrer des trucs, c'est dommage parce que ça peut être sympa, mais en fait voilà, pour pas vous mentir, l'histoire c'est juste là, et la fin du jeu. Donc là on voit le dragon se faire capturer, et à la fin on voit le dragon se faire tuer quand même. Voilà, je vous spoil le jeu, mais... franchement l'histoire est pas terrible, là c'est un des deux frères jumeaux qu'on va devoir justement éliminer et là le deuxième frère jumeau qu'on va devoir également éliminer. Donc en fait toute l'histoire est là. Là tout est dit là. C'est seulement ce que vous allez voir de l'histoire, c'est tout.
Donc moi qui achète les jeux pour les scénarios, en grande majorité, bah là pour le coup j'étais plutôt déçu parce que sur le coup je dis ouais ça a l'air d'être pas mal, on défend un dragon contre des personnes, ça peut être assez cool. Mais non, ça c'est juste l'histoire que je vais passer d'ailleurs puisque c'est vraiment pas intéressant. Donc voilà, en gros ça c'est juste le scénario et la bête qu'on avait montée d'un coup réapparaît alors que je vous rappelle que juste avant, le dragon il n'y avait pas de bête. Mais enfin bref. Donc voilà les amis, c'était vraiment une petite vidéo juste pour vous montrer le jeu, un peu son gameplay pour ceux qui voudraient jouer. C'est pas un jeu que je vous déconseille, mais que je vous conseille à bas prix puisqu'il n'a pas de scénario. Mais si vous voulez un God of War low cost ou un évolution de low cost, bah, c'est le bon jeu pour vous. Il est assez sympathique, assez facile. Il y a certains niveaux, j'avoue, qui sont assez compliqués. Comme je vous dis, quand vous avez plusieurs ennemis, vous vous rappelez plus des touches pour contrer. Donc vous allez sûrement confondre le LT et le RT, donc la parade est pour les attaques bleues et la parade pour les attaques oranges. Mais mis à part ça, le jeu n'est vraiment pas compliqué, le gameplay est assez basique et assez simple. Graphiquement, il est pas moche, hein, il est assez joli. Moi je trouve qu'il a pas trop pris de coups de vieux, c'est sûr que bon, on a fait mieux depuis, ou même avant, mais il reste assez joli. Donc voilà, c'est quand même un jeu que je vous conseille à pas trop cher, histoire de ne pas être dégoûté parce que vous avez acheté. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur Golden Axe Beast Rider vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner bien entendu si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mercredi prochain, ça sera une vidéo sur Assassin's Creed, bien entendu, vous avez l'habitude. Et dimanche prochain, ça sera sûrement une vidéo sur Lost Odyssey, dont j'ai énormément de choses à vous dire, mais j'essaierai de me retenir parce que c'est vrai que ce jeu est vraiment très 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 bon. Donc voilà les amis, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. En attendant, geekez bien, c'était Shadow Nightmare, et à la prochaine vidéo. Salut tout le monde.